Le ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkrim Mahamat Abdelkrim, vient inaugurer le nouveau bâtiment de la Direction générale du groupe de gestion des infrastructures et des ressources minérales GEMIA. Cette société de recherche géophysique fait ses preuves dans plusieurs provinces, à savoir Bata, Wadi Fira, Borku et Tibesti. Dans son volet social, le GEMIA a réalisé des châteaux d'eau et forages aux populations dans les zones d'opération, des appuis en matériel agricole et didactique, un centre de santé dans le département des Fitri dans le Tibesti, ainsi que des véhicules offerts au sultan de Fitri et au chef de canton de Modogo. Cette visite a aussi permis à la délégation de découvrir le fonctionnement de différents départements de GEMIA. Le directeur général du GEMIA informe l'assistance de l'opérationnalisation du laboratoire de sa société à Farcha. Albert Mathius a aussi évoqué les difficultés que sa société rencontre dans son exercice à Miski, dans la province du Tibesti. Le ministre des Mines et de la Géologie rassure le GEMIA des dispositions à prendre pour contrecarrer les obstacles. L'État tchadien, à travers le ministère en charge des Mines, dans sa mission régalienne, va les accompagner, mais également va leur procurer tout ce qui est sécurité pour travailler en toute quiétude dans l'ensemble du territoire national. Le consul honoraire du Canada, Mabrouk Khalifa Farage, réitère l'engagement de son pays à maintenir cet élan de partenariat avec le Tchad. Le ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkrim Mahamat Abdelkrim, exprime ses encouragements à GEMIA à travers une attestation de reconnaissance.